Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bonus promotions qui arrivent ce jeudi 27 avril sur GTA Online. C'est parti! On se retrouve sur le compte Twitter de Central Gaming Hub pour parler de leur tweet concernant l'actualité de GTA Online qui vient de leaker comme chaque mercredi soir vers 21h. Oui, je sais, nous savons l'actualité de GTA Online en avance. Ça arrive demain, ce jeudi, vers 10h, 10h30, 11h grand maximum. Sachez que Central Gaming Hub a toujours bon concernant l'actualité de GTA Online maintenant, et il la donne depuis plus d'un mois, alors vous pouvez leur faire confiance. Bon, dans un premier temps, nous avons 50% d'argent et des repas en plus pour les missions dernière dose. On nous dit également double argent, double RP pour un mode versus acquérir des cibles. Autrement dit, un mode d'avion de ce que j'ai cru comprendre sur Internet. Sachez que les titres en anglais, en français ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est un petit peu compliqué de vous donner les activités, ce genre de choses. Mais en général, on y arrive. Bon, ensuite on nous parle d'items rares terminés. Ceci est une intervention en mode difficile pour recevoir des enveloppes de pièces SC rose et citron vert. Alors là, la traduction est pas terrible, mais vous allez comprendre ensuite. Compléter suspect habituel en difficulté difficile pour recevoir le jean de designer brodé des Stiger classique. Ensuite, terminer enregistrement en difficulté difficile sans mourir pour recevoir un cardigan et un jean VDG noir. Dédicace à toi, VDG mon pote. Ensuite, terminer toute l'émission dernière dose en difficulté difficile et vous obtiendrez un enveloppement pour le micro SMG. Enfin bref, ensuite offrez-vous de nouveaux accessoires avec les wraps glace. Alors là, ça me fait penser à des lunettes. Oui, Rockstar n'a pas tout mis en termes de vêtements, donc il se pourrait qu'il y ait des nouveaux vêtements qui arrivent, peut-être des lunettes, ce genre de choses. Bon, ensuite, vous allez être content. La Winnie Easy Rally revient sur GTA Online, oui, voiture rare en édition limitée, je rappelle. Et vous pourrez la transformer chez AO Special Works. Bon, côté véhicule à tester, acheté aux concessions automobiles, on commence par la concession de Simeon. Nous aurons la D-Class Unip M100, la Inus Stafford, la Karine Kuruma, la Invertero Coquette, la Winnie Easy Rally. Et côté Luxury Auto Showroom, autrement dit la concession en pleine ville, nous aurons la Entity Overflood XXR ou encore la Entity Overflood MT qui se transforme chez AO Special Works. Côté véhicule du podium du Diamond Casino, nous aurons la Oslo Lynx. Et côté véhicule du podium du salon Auto de l'Est, nous aurons la Overflood Entity XF. Mais pour avoir ce véhicule gratuitement, tu devras faire un défi, à savoir, placez-vous dans le top 3 de la série de courses de rue pendant 3 jours consécutifs. Ensuite, côté véhicule de test premium DAO, nous aurons la D-Class Vigro ZX, voiture la plus puissante de GTA Online. Oui, c'est pas une blague. Concernant les véhicules à tester achetés au salon Auto de l'Est, il y aura la Tulip D-Class, la Dinka Kanjo SJ ou encore la Vapid Peyote Gazer. Et on termine par les promotions de la semaine. On nous dit 30% d'induction pour le garage à plusieurs places du boulevard Eclipse. Oui, le nouveau garage qui est arrivé sur GTA Online. On nous parle également de 25% d'induction pour la Entity Overflood MT ou encore la D-Class Tulip M100, mais également 35% de réduction pour la Karine Kuruma blindée. Et c'est tout pour cette actualité de GTA 9. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bientôt les 10 000 abonnés. Et franchement, je compte sur vous. Le partage justement pour faire connaître les bonus promotions en avance de GTA 9 sur tous vos réseaux sociaux. Le like qui fait plaisir et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos dès demain pour l'actualité officielle, les items rares à débloquer et plus encore. Enfin bref, moi je vous laisse, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien.